celui qui se tient devant nous est le Père des dieux et des hommes. Celui à qui tous doivent obéissance, mortel ou non. Il est le maître des éléments. Il préside à tous les phénomènes atmosphériques, aussi bien les vents mauvais que ceux qui apportent la pluie bienfaitrice. Il est le garant du pouvoir royal et de la hiérarchie sociale. Mais surtout, il détient la seule arme de destruction massive de son temps, la foudre. Et il n'hésite pas à l'utiliser contre ceux qui osent le défier. De tous les noms que portent les divinités, le sien est celui qui nous est le plus familier, Zeus. Observez-le. Voyez comme il est majestueux avec sa barbe fournie et sa longue chevelure. Dans une main, le sceptre en bois de cyprès, symbole de sa royauté. Dans l'autre, l'égide dont il se sert pour déclencher les orages. À roi suprême, demeure suprême. Zeus habite la région calme et magnifique qui s'étend au-dessus de l'atmosphère terrestre. Les montagnes sont ses trônes. Mais sa résidence la plus connue se situe sur l'Olympe. C'est là que se trouve son palais, construit par son fils Héphaïstos, le dieu du feu et des forgerons. Pourtant, Zeus n'a pas toujours été ce dieu souverain. Sa naissance lui réservait un tout autre destin. Tout a commencé dans la nuit des temps, avant le temps. Au commencement était l'obscurité, et l'obscurité enfanta le chaos, le vide plein de ténèbres. Puis naquit Gaïa, la terre, la déesse primordiale, la déesse mère. Et du ventre de Gaïa surgirent les hautes montagnes, les cimes couronnées de neige, et les grottes, et les forêts, les océans et leur écume, et les plaines, et les fleuves. Plus tard, alors que ce monde prenait forme, apparut Eros, le souffle. L'invisible qui suscite chez les êtres l'impérieux besoin de se rapprocher et de s'accoupler. Gaïa, la terre-mère, est seule. Personne ne l'aime et elle n'aime personne. D'ailleurs, qui pourrait-elle aimer à part elle-même ? Rien, sinon le chaos. Alors, pour combler sa propre solitude, Gaïa décide d'enfanter Ouranos, le ciel, son parfait contraire. Le ciel et ses myriades de constellations. Et le ciel vient se poser sur Gaïa, se lever contre elle. Les voilà devenus presque un couple. Le ciel, la terre, les deux plans superposés de l'univers. Et maintenant ? Maintenant, il serait bien que, de leur étreinte, jaillissent des êtres vivants. C'est là qu'intervient Eros. Insensiblement, il insuffle en Ouranos cet élan mystérieux que l'on appelle le désir. Et Ouranos succombe, se fond dans Gaïa et lui fait l'amour. Pas une fois, mais 100 fois. Pas un jour, mais 1000 jours. Bientôt naissent une ribambelle d'enfants. Les 12 premiers s'appelleront les Titans. 6 Titans et 6 Titanides. Ensuite, c'est au tour des Cyclopes, appelés ainsi parce qu'ils n'ont qu'un œil au milieu du front. Puis viennent les Hécatonchires, dont le nom signifie « ceux qui ont 100 bras ». D'ailleurs, ils n'ont pas que 100 bras, ils ont aussi 50 têtes qui crachent le feu. Enfin, Gaïa accouche des géants, des monstres d'une taille énorme
et d'un aspect redoutable. Seulement voilà, tous ces enfants sont incapables de bouger. Ils restent là, prisonniers du giron de leur mère, à l'endroit même où ils ont été conçus. Et pour cause, le ciel, Uranos, demeure littéralement collé à la terre, Gaïa. Il n'existe pas entre eux le moindre espace qui permettrait à leur progéniture d'aller vers la lumière, de vivre une existence autonome. Dès qu'ils tentent de s'évader, leur père, Uranos, les repousse sans ménagement. Alors, emplis de frustration, les titans se défoulent sur leur mère. Ils ruent en elle, se débattent, l'étouffent, l'oppressent. Gaïa souffre. Elle est à la fois épuisée et furieuse. La situation ne peut plus durer. Tant pis, Gaïa appelle à la révolte et ordonne à ses enfants de se retourner contre leur père. Personne ne bouge. Personne, sauf le plus jeune des titans, Cronos. Cronos accepte de livrer bataille et sa mère va l'aider. À l'insu d'Uranos, Gaïa fabrique en secret une faucille de silex et la confie à son fils. Il ne reste plus qu'à guetter le moment propice. Il ne tarde pas. Uranos, toujours en demande, vient faire l'amour à Gaïa. À peine la pénètre-t-il que Cronos saisit le sexe de son père de la main gauche, le tranche d'un coup sec et le jette dans la mer. Uranos, dévasté par la douleur, se recule, s'écarte violemment de Gaïa. Et ça y est, enfin, les voilà séparés. Dès cet instant, Uranos, le ciel, se fixe tout en haut du monde pour n'en plus bouger. Les titans, les cyclopes, les géants, libérés, peuvent abandonner le giron de leur mère. On dit que les gouttes de pluie qui tombent du ciel ne sont autres que les larmes d'Uranos. Larme de douleur, larme de remords, larme de nostalgie. Uranos vaincu, Cronos prend le pouvoir. Et il s'empresse d'épouser sa sœur, Rhea. On pourrait s'imaginer que la sérénité va régner, mais il est bien connu qu'une fois au sommet du pouvoir, les princes ne supportent pas d'en être délogés. Ayant été prévenu par Gaïa que l'un de ses fils lui volerait un jour le trône, Cronos se met à dévorer tout cru ses enfants dès que Rhea les met au monde. Désespérée, l'infortunée déesse n'a plus d'autre choix que de tenter d'échapper à la folie meurtrière de son époux. Une nouvelle fois enceinte, elle décide de s'enfuir. Elle fait bien, car l'enfant qu'elle porte n'est pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de Zeus. Il est hors de question qu'il soit assassiné. Rhea fuit donc. Elle arrive sur une île, la Crète, où elle accouche dans le plus grand secret. Après avoir confié l'enfant à des nymphes, ces divinités qui personnifient les forces vives de la nature, elle revient auprès de Cronos. Cronos sait que Rhea était enceinte, et il attend qu'elle lui présente son dernier né. Rhea a tout prévu. En guise de nouveau-né, elle offre à Cronos
une pierre enveloppée de l'ange. Apparemment, le glouton titan n'y voit que du feu et la dévore. Comment pourrait-il se douter que là-bas, en Crète, sur le mont Ida, un fils viendra venger sa mère, libérer ses frères, le dépouiller de ses honneurs et régner à sa place sur les immortels. Dans les montagnes crétoises, Zeus grandit sous le regard protecteur de sa grand-mère Gaïa, la terre-mère, et des nymphes. Il est nourri d'ambroisie et de nectar que lui apportent les colombes et les aigles. Il savoure de délicats rayons de miel que les abeilles distillent exprès pour lui. Et il boit le lait de la nymphe chèvre amaltée. Une fois devenu maître de l'univers, Zeus n'oubliera pas ses bienfaitrices. Amalthée sera hissée parmi les étoiles et deviendra la constellation du Capricorne. Il lui empruntera une de ses cornes et la donnera aux nymphes qui l'ont élevée. C'est la célèbre corne d'abondance, celle qui ne se vide jamais de ce que son possesseur souhaite boire et manger. Mais pour l'heure, le danger guette. Cronos a fini par se rendre compte qu'il avait été floué par son épouse. Il s'est mis à la recherche de ce fils qui a échappé à sa morbide obsession. Il sait qu'il y va de son trône. Cronos fouille. Il soulève les monts et les collines. Il scrute les mers, mais ne trouve rien. Et pour cause, on a caché le berceau du petit Zeus dans une caverne du mont Ida. Et devant l'entrée, de curieuses créatures ont été postées, les curettes. Qui sont-ils ? De turbulents démons. Ils ont reçu l'ordre de se livrer à des danses guerrières en entrechoquant leurs lances et leurs boucliers afin de couvrir les vagissements du jeune dieu. Que son père ne doit surtout pas entendre. Les années passent. Zeus grandit. Et plus il grandit, plus il songe à se venger de ce père indigne, dont sa mère lui a raconté les effroyables agissements. Devenu adulte, Zeus rencontre Métis, une océanide, une nymphe de la mer, la fille des titans Océan et Tétis. Métis est la déesse de la prudence, mais aussi la déesse de la ruse. Le jeune Zeus décide de la séduire et il y parvient sans peine. Tout naturellement, il lui confie ses origines, son désir de faire payer à son père les crimes dont il s'est rendu coupable, et son vœu de libérer ses frères et sœurs, enfermés dans la panse de Cronos. Comment s'y prendre ? Métis lui suggère la solution, en faisant boire à Cronos un émétique, une drogue qui le fera vomir. Pour tromper le goût, ajoute Métis, tu le mélangeras à du miel. Excellente idée, mais où trouver pareil breuvage ? Métis sourit. Pourquoi ne poses-tu pas la question à ta mère ? Elle saura. Suivant le conseil de Métis, Zeus va voir Rhea et lui expose le projet.
Réa applaudit au stratagème. Elle compose la drogue et la confie à son fils, après l'avoir introduit à la cour de Cronos comme échanson, ce jeune garçon chargé d'offrir à boire aux dieux. Une fois devant son père, Zeus lui tend la coupe. Cronos, qui ne se doute de rien, la prend. Mais à peine a-t-il bu le breuvage qu'il commence par vomir la pierre, cette fameuse pierre emmaillotée. Puis il régurgite un à un tous les enfants que Rhea avait mis au monde. Furieux d'avoir été dupé et bien déterminé à conserver son trône, Cronos décide de faire rendre gorge à son fils. Il rallie à lui tous les titans, ses frères et sœurs. Les enfants de Rhea, quant à eux, se rangent spontanément dans le camp de Zeus, sur l'Olympe. 6 Olympiens, donc, contre 12 titans. La terrible guerre peut commencer. Elle sera connue sous le nom de Titanomachie et durera des centaines d'années. Alors que l'issue de la lutte paraît incertaine, Gaïa, cette grand-mère à la fois sombre et lumineuse, muette et parfois loquace, Gaïa explique à Zeus que pour l'emporter, il est indispensable qu'il rallie des forces qui sont de la même génération que les titans, les cyclopes. Les cyclopes étant des divinités primordiales, ils possèdent encore en eux toute la brutalité, toute la violence inhérente aux premières créations. De plus, précise Gaïa, les cyclopes apporteront à Zeus l'arme absolue, le tonnerre, la foudre et l'éclair. Mais pour l'heure, ils croupissent au fin fond du Tartare, la partie la plus reculée, la plus terrible des enfers. C'est là-bas que Cronos les a jetés. Il suffirait que Zeus les libère pour obtenir leur soutien. Zeus accepte et, secondé par ses créatures borgnes, il ne tarde pas à remporter la victoire sur les titans. Serait-ce enfin la paix ? Non. Car Gaïa, qui avait pourtant aidé son petit-fils à prendre le pouvoir, lui reproche à présent d'en avoir définitivement écarté ses propres enfants, les titans. Aussi lance-t-elle contre Zeus les géants, ces créatures réputées invincibles. Et une nouvelle guerre commence. Une nouvelle guerre, appelée cette fois la Gigantomachie, et qui durera bien après l'arrivée des mortels sur Terre. Autour de Zeus, ses frères, sœurs et enfants organisent la riposte. Le combat est acharné. Zeus parvient à confisquer l'herbe magique. Cette herbe, dit-on, assurait l'invulnérabilité aux géants. Mais rien n'y fait. Gaïa s'entête. Conscient qu'il lui serait impossible de remporter la victoire sans l'aide d'un mortel, Zeus a une idée. Il s'unit à la fille du roi de Mycène, Alcmène, qui donne naissance à un personnage doué d'une extraordinaire force musculaire, Héraclès. Pour chaque géant blessé par Zeus, c'est Héraclès qui, avec ses flèches, assène le coup de grâce. Une fois encore, Zeus l'emporte sur ses ennemis. Et comme pour laisser une trace tangible de sa victoire, il va déposer à Delphes la grosse pierre avalée puis régurgitée par Cronos à sa place.
C'est l'omphalos, le nombril du monde, le centre de l'univers. Elle s'y trouve encore de nos jours. On pourrait penser qu'à présent, tout est réglé. Mais c'est encore loin d'être le cas. Zeus a un ultime obstacle à surmonter. Et cet obstacle, c'est peu dire qu'il est de taille. Car, pour se venger une nouvelle fois du sort réservé à ses enfants, les Titans, Gaïa s'est unie avec le Tartare, la région la plus reculée, la plus dangereuse des enfers. De cette union est née une créature monstrueuse, Typhon. Typhon est à la fois mi-homme, mi-fauve. Sa tête touche les étoiles, ses bras, lorsqu'il les étend, atteignent à la fois l'Orient et l'Occident. Le feu brille dans ses yeux, alors que le bas de son corps est entouré de serpents. Comme si cette seule apparence ne suffisait pas à tétaniser ses ennemis, Typhon se déplace en poussant des cris terrifiants, semblables à la fois au beuglement du taureau et au rugissement du lion. Quand ce monstre se rue vers l'Olympe, c'est la panique. Les dieux prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient jusqu'en Égypte, où ils revêtent des formes animales. Apollon devient un milan, Hermès un ibis, Arès un poisson, Dionysos un bouc, Héphaïstos un bœuf. Seul Zeus résiste au monstre. Cette fuite en Égypte aura pour conséquence inattendue un entrelacement des divinités grecques et égyptiennes. Typhon sera identifié à Seth, le frère ennemi d'Osiris. Zeus sera assimilé à Horus. Dionysos deviendra Osiris. Déméter, Isis, etc. Surprenant brassage de deux mondes que rien, a priori, n'aurait dû rapprocher. Mais revenons au combat que livre notre héros, Zeus, contre Typhon. Il fut bref et sans appel. Alors que Typhon cherchait Zeus à travers la mer de Sicile, ce dernier souleva le mont Etna et le projeta sur son ennemi. Typhon enterré sous l'Etna, l'autorité de Zeus est enfin incontestable. Il est définitivement le maître des dieux. Maintenant, l'heure est venue de partager l'univers. Zeus s'octroie le pouvoir suprême et choisit pour résidence le royaume du ciel. Poséidon, son frère aîné, est promu maître des mers. Hadès, son autre frère, reçoit, lui, les clés du royaume souterrain avec le pouvoir de régner sur les puissances infernales. Nous sommes désormais devant un univers hiérarchisé, organisé. À son sommet règne l'ordonnateur du monde issu du chaos. Tout ce qu'il y avait dans le ciel a été chassé, soit enfermé dans le Tartare, soit expédié sur terre chez les mortels. Un dieu tout-puissant est né. Mais ce dieu n'impose aucun dogme, il n'a besoin d'aucun clergé. Zeus,
qui va désormais gouverner le monde, doit assumer une lourde tâche, instaurer l'ordre, mais aussi se garder du despotisme.